haïtien en général pour courage et détermination. N'a salué chaque membre de la force révolutionnaire. N'a salué chaque membre de la vie ensemble. N'a salué en peuple haïtien en général. Aujourd'hui, dans nos vivre ensemble, nous venons là pour nous présenter excuses par chaque monde qui est victime du mouvement Lève Kapesa que nous-mêmes dans vivre ensemble nous lancer. Nous voulons la population civile là qu'on est que nous ne parlons pas avec eux. Et nous déplorons un peu le caïmoun et que qui est choqué, un peu le caïmoun qui est écrasé. Mais nous prenons sous responsabilité, nous nous connaissons très bien qui côté nous a déchouqué, nous connaissons très bien qui côté nous a écrasé. Nous en affaire avec l'État délinquant, nous en affaire avec l'État sanguinaire. Gardez de côté. Il était facile pour nous et que pour nous identifier, machine l'État, directeur général, ministre, monde qui fait partie du gouvernement Ariel Henry, ancien député et sénateur qui volait l'argent paysan et que nous sommes vrais ennemis. Nous avons des gens qui mènent les pays là. Mais cependant, pour l'équipe qui a été malheureuse, qui a été échouée, qui a été écrasée, ça a vraiment fait nous mal. Et nous, les populations civiles, nous connaissons que l'objectif n'est pas eux-mêmes et que ce n'est pas ça que nous avons souhaité. Et nous avons profité de la conférence de presse aujourd'hui pour nous dire Monsieur Genzam Lameyo, laissez-nous dans la rue, monsieur, s'il vous plaît, protégez la population civile là. S'il vous plaît. Évitez d'entrer dans le caïmoun à faire des choukaïs. Nous regrettons ce qui est passé dans Delma 3, Delma 5, Delma 20, pour nous citer ça seulement. Et nous coupons nous bien bas, nous présentons excuses devant tout le monde. Dans nos vivants, nous vivons ensemble, nous voulons pas ici encore que nous demandons pardon. Pardon pour tout ça que la société a jugé et que vivre ensemble, te fait le qui mal. Et nous avons tout profité pendant que nous demandons la société à pardon. Pour toute sa vie, ça me fait qui mal, pour nous tout annoncer que tous les messieurs qui font faire mauvaise action, qui fait que nous trouvons que vivre ensemble fait mal, ils ont pris sous responsabilité aujourd'hui pour qu'il y ait une action qui vont commettre, pour ne pas commettre encore. Dans nous vivons ensemble, et tout le monde qui a subi ça, kidnapping, je pense que le monde s'est libéré bien rapide, et la famille n'a pas 5 ans pour payer. Et dans nous vivons ensemble, une équipe mauvaise pratique et que qu'on a passé dans ces des zones et que chef dans la zone, leader dans la zone, prend sous responsabilité et que pour ça, il ne pas répéter. Et nous sommes humains, nous sommes monde et nous avons fait n'importe quoi. Mais ça qui est important, il faut que nous apprenions à pardonner, faut que nous apprenions à vivre ensemble. Ça qui est important, faut que nous apprenions à vivre ensemble. Vivre ensemble, nous avons l'autre, vivre ensemble pour nous changer le paysan. Vivre ensemble pour l'autre Haïti. Encore une fois, nous-mêmes, dans vivre ensemble, nous avons le côté de nous aller, nous avons le côté de nous voulons arriver, nous avons qui monde qui est ennemi nous, nous avons à qui monde nous avons boumé. Bataille là, je dis à Ariel Henry, son étape liée là-dedans. Première étape bataille, nous c'est capoter le gouvernement Ariel Henry, j'en ai toujours dit. Après, nous avons capoté le gouvernement Ariel Henry, nous allons assurer nous. Le pays a un état qui fort, nous avons un système de justice qui fort pour nous gommer contre nous qui corrompus. Nous allons assurer nous et que nous avons un système de sécurité qui fort, qui permet que nous circuler l'air ouvré, qui permet que nous entrer l'air ouvré. Objectif nous encore, c'est où on l'autre Haïti. Peuple haïtien, s'il vous plaît, pardonnez tout le monde qui vit ensemble pour ça qui nous fait nous qui mal. Je dis à son gros opportunité qui présente devant nous et que pour nous changer le système qui vient là, je dis là. Pas occuper moyen pour louer avec la vérité. Bataille nous, nous-mêmes, nous faisons avec ça, nous toujours il, et nous continuons à faire contre Ariel Henry jusqu'à ce que nous jouions une démission. Après, nous finissons jeter Ariel Henry, nous continuons à gommer sous l'autre forme et que j'en sortir là pour nous une nouvelle Haïti que nous besoin. Préparez ici, s'il vous plaît. Prenez la rue. Lever à manifester. Dans le grand goût, nous sommes là. Dans la misère, nous sommes là. Ce n'est pas bon pour nous. Nous devons toujours faire nous croire que c'est nous-mêmes les gazam qui problème. Nous devons toujours faire nous croire et que c'est nous-mêmes les gazam qui sommes ennemis. Oui, nous victimes en pile vrai. Oui, nous avons un paquet de bagailles qui fait
et qui ne pas faire mon plaisir. Mais je dis, dans nous vivre ensemble, chaque grand monsieur qui fait partie de vivre ensemble, il m'a dit, pour me couper bien devant les pays, pour me demander nous pardon pour vous. Et il prend sous responsabilité de série d'actions qui sont faites, qui ne sont pas faites encore. Peuple, nous même nous dans la rue, qui est ensemble avec nous, nous ne pouvons pas qu'il ait rentré jusqu'à ce que nous jouions une boute à Ariel Henry. Merci. Est-ce que nous avons un leader dans la tête, nous, après démission du Premier ministre Ariel Henry, pour nous mettre pour nous proposer avec lui, puisque nous avons des démissions, au moins, pour qu'il y ait un consensus, non? Et jusqu'à présent, nous-mêmes, dans vivre ensemble, nous avons un leader. Et nous-mêmes qui sommes leader tête, nous. C'est nous-mêmes qui prenons conscience à la tête, nous. Nous utilisons les armes qui ont été mises dans le quartier populaire. Munitions ça va être voté pour nous, je veux dire, on choisit d'utiliser le compte. Et c'est eux-mêmes qui sont vrais ennemis. Et après, Ariel Henry vient de démissionner. Je pense que toute proche dans la société a mis tête ensemble et que nous avons chita, nous avons dialogué sans exclusion. Nous tous là-dedans, nous tous ces haïtiens, nous tous net là-dedans. Nous avons chita, nous avons parlé et puis la société a entendu nous. Sur les gens, qui a pris un règne paysan et qui a pris une mission bien spécifique. Menez-nous vers des élections libres, honnêtes et démocratiques. Est-ce que vous avez un choix et ancien sénateur de Gandosla ou Philippe? Est-ce que vous avez un choix? Et j'aime ça dire d'aller à vivre ensemble grand monde tête, vivre ensemble son leadership collectif lié, mouvement ça nous est qui soudainement et le récompé ça nous écrivé. C'est leader dans vivant ensemble qui décide ensemble, monsieur, et je dis à une opportunité devant nous et que pour nous laver visage nous devant société, devant les pays tout ça que nous subi, je dis en nous gourmet pour nous retirer dictateur, criminel, sanguinaire, grand monde sans honte qui aurait l'arrière l'arrière. Si on a fait appel à nous pour nous participer au pouvoir, est-ce que nous sommes prêts pour nous participer avec le pouvoir? Et on parle de pouvoir, il y a un nouveau pouvoir. Nous sommes tous nous tous ces haïtiens, nous sommes tous les. Et pas de gain exclusion, pas de gain moun saladan, moun sabaladan, pas de gain un pi bon passé notre temps. Si nous regardons, dans le monde qui fait société à mal, quel ténèque à Zam, quel ténèque à costume, à regarder pour eux, ils ont des responsabilités et que vous avez créé l'école gratis, et ils ont des responsabilités pour vous faire l'hôpital. C'est eux qui ont une responsabilité pour mettre sécurité. C'est eux qui ont une responsabilité pour mettre le travail pour nous. Est-ce que vous prenez responsabilité ça? Non. Et bien, même si vous tournez à Zamio, vous faites société à un paquet mal. Et bien, je dis, même si vous qui fait société à mal, vous toujours accepter, vous n'avez pas parler, vous n'avez pas vivre avec vous. Et bien, nous-mêmes, toujours dis, nous obligés Chita parler avec les qui ont une mais dialoguer avec eux, chercher comme ça vous voulez pour nous aller vers nouvelle Haïti que nous avons. Mais pour qui ça nous choque? Pour ça nous choque? Nous avons toujours que le commissariat c'est cible principale dans chaque mouvement que nous avons fait. Seulement pendant 3-4 jours de mouvement, nous avons pour vivre le commissariat qui passe en bas de fait ou bien que nous-mêmes nous récupérons. Pour qui ça nous choque? Ma problème bien bas devant la famille policière qui est mourue. Et ma problème bien bas devant les policiers honnêtes qui sont crédibles. Et ma profite de dire policiers qui sont messieurs, policiers qui sont Rosemila Petit Frère, André Michel, Marjorie Michel, Edmond Suplice Bozil, Rika Pierre, à payer Météo Nancha. Et policiers qui ont tiré sur la population civile, qui ont massacré les gens dans la rue. Qui a fait quoi et que c'est nèg azamyo, monsieur prend conscience. En commissariat au passible, non, parce que 95% policiers, c'est moun qui sorti dans quartier populaire, même j'avais avec nous, c'est moun qui sorti dans couche défavorisée, même j'avais avec nous. Sauf que nous avons un objectif, nous avons un côté que nous voulons aller. Et policiers, même qui travaillent par eux pour faire. Travail par eux, c'est pour yon protéger et servir. Nous même nous avons un objectif. Travail par nous, c'est capoter système senti. Système compris ça, mais avant de capoter le système, il faut que nous déchouquions Ariel Henry. Il y a un policier qui choisit de faire un job mercenaire, un cop dans mes mounes, sur cité là, surtout Rosemila Petit Frère avec André Michel, et puis pour assassiner les gens qui sont dans le quartier populaire, sous prétexte de ces gangs, mais c'est bon. Nous-mêmes, comme nous qui sommes, nous ne pouvons pas accepter ça, et nous avons défendu la tête jusqu'à ce que nous libérions le pays. Quel est votre objectif? Et objectif là, c'est
chercher munitions. Non, pas côté oui, pas seulement dans le bureau de l'État. Nous avons des peuples haïtiens pour aider nous. On a des informations pour connaître. Bien, quand on directeur général était, fait nous connaître. On a des informations pour qu'on ait mon ministre, fait nous connaître. On a des informations claires. André Michel, Marjorie Michel, Moussa Villa Petit Frère, qui côté nous a joué nous, fait nous connaître. Et on a continué pour nous. Et nous ne pouvons pas dévoiler toute stratégie, nous, mais l'objectif là, c'est retirer le pays en bas, les politiciens sentir qu'on puisse aller jusqu'à ce que nous jouions en Haïti, nous besoin. Vas-y. Allez, 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 allez